Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui je vais vous présenter la démo de Mineco Night Market. C'est développé par Meosa Game et c'est un jeu qui m'a l'air tout mignon. C'est une histoire narrative et on va voir ce qu'il va nous proposer comme expérience dans cette démo déjà dans un premier temps, puis si le jeu vous plaît, dans le jeu final. Allez, c'est parti sans plus attendre, let's go! Voilà, c'est en anglais pour le moment, hein. il n'y a pas de traduction pour le moment. Mais c'est pas ce qui m'importe le plus pour le moment. C'est de savoir si le jeu peut être sympathique et qu'il a une originalité, quel que soit le critère dans lequel il a cette originalité. C'est toi la nouvelle fille dans la ville, Mineco, je crois. Yeah, c'est moi. Oui, je pense que je vais me souvenir de toi. Mon nom est Bobo, la mère de Bobo. C'est votre nom réel? C'est une chance pour moi d'avoir un enfant nommé Bobo. En parlant de ça, Bobo tient à dire que vous êtes dans les forêts. Mais je ne peux voir maintenant ce que vous n'êtes pas morte. Ce qui est bien. Ce qui est bien mieux. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Pourquoi vous n'allez pas pour prendre cette fleur, la bench? Je suis à court de monnaie en ce moment. Oh, je veux dire, tu ne vas pas, c'est un cadeau. Elle essaie de garder cela. Mais vous n'êtes pas encore morte. Personne n'est mort, Bobo. Ok, je vais acheter cette fleur pour ma soeur Saki. Mais elle a développé d'autres intérêts. J'avais acheté cette fleur. Mais elle a développé une vraie connaissance. Un réel intérêt dans ce qui peut en allant très tard avec ses amis. J'ai cette fleur délivrée à votre maison immédiatement. J'ai vu que vous avez bougé dans une vieille maison au côté ouest. Ouais, maintenant nous pouvons arrêter de demander si quelqu'un va vivre dedans. Bobo, il n'y a rien de plus ce côté-là où les gens peuvent vivre dans un côté de cette île. En fait, avant que vous naissiez tous les deux, il y avait plein de familles qui vivaient ici. Tu sais, avant qu'il y ait des joueurs actuels et le marché, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont partis où? Beaucoup de gens ont quitté cette île pour travailler. Une centaine de résidents sont restés parce que n'avons pas pu quitter les lieux. Nous pouvons les appeler ces gens les Suka. Bobo. Merci Mineco. Va-t'en et va vérifier si ta nouvelle flower est bien arrivée à ta maison. Je suis très excité de voir ce que tu peux faire avec. Merci Bobo Mom, la mère de Bobo. Le son est très très faible. Je vais peut-être le monter. Ouais, pas top. Alors, nous avons des quêtes. On aura les journaux, on aura la personne qu'on va rencontrer. Et le système de collection. Elle est fleuriste. Pas d'argent, ah si. On va laisser tomber pour le moment. Il fait fermé aujourd'hui. C'est clairement mignon. On ramasse plein de fleurs. Elle est en train d'enlever toutes les fleurs du village. Ça cache tout, voilà. Cet endroit est fermé, ce bâtiment est fermé. En fait, il va falloir. J'ai l'impression que tout a été abandonné. Il va falloir repeupler
tous ces magasins. Hello, est-ce que tu es hydraté? Beaucoup de plantes ont de boissons peuvent être une énergie rapide, un boost d'énergie quand tu en as besoin. Oh, et tu as besoin d'aider. Et ici, tu peux aider avec moi au jardin autour d'ici. Si tu peux m'amener 5 fleurs d'hume pour moi, ce sera une aide, une énorme aide. Ah, d'accord, j'avais anticipé là. Sakura. Oh, la grand-mère, ses lunettes sont marrons. Les personnages sont vraiment marrons. Il n'y a que des Sakura là. Découvert une camélia. Une plume. Oh oui. Tu es ce nouveau enfant qui est proche d'Ab. Qui est Ab? Je veux dire, Ab est ok, mais je pense qu'ici il y a plus de choses intéressantes que les histoires de Ab. Mi, je suis dans la crypte. Plus court que cryptozoologique. Je vais au catalogue des mystérieuses créatures ou les yokai de cette île. As-tu en as trouvé beaucoup? Non. J'ai beau être dans une place pour les rassembler, tous mes yokai de chasse en évidence. Laisse-moi savoir si tu trouves un effrayant, enfin un super yokai face super pooch aux alentours. Et donc si je trouve un petit yokai, bah, je le ramène. Ils ont l'air fiers, hein. Un peu zen aussi. Là, il ferme les yeux, lui. Ohé. Man, il n'y a rien d'ici à manger dans cette ville. Laisse-moi te dire que tu viens de traverser. Je vais quitter cette ville. Oh oui, maman veut que me demander de l'aide avec quelqu'un. J'ai totalement oublié ce que c'était. J'ai une vie sauvage. J'ai une vie sauvage cette dernière. Je peux te dire que il y a deux matcha, j'ai besoin de deux latés matcha maintenant. Tu es le nouvel enfant? Oh, je suis en train de plaisanter, cette ville est déjà un mauvais nom. Cette place devrait être meilleure. C'est le jour de la livraison. Et il est en retard avec mes deux jus de prune. Ah, on peut courir, tant mieux. Hey, ici, tu es ce petit enfant dont tout le monde parle. Excellent, Ace. Viens parler à la légende vivant ici, Flying Tengu. C'est ici qu'il a utilisé à m'appeler pour quand j'étais pilote sur le Takashi numéro 1. Bon Dieu, ça fait des années qu'il en avait correspondu avec mon vieux pilote. Je devine que je devrais avoir du courrier. Enfin, un courrier électronique, une boîte mail. Bonjour, j'espère que tu apprécies notre petite île. Tout le monde est en train de parler à propos de ton arrivée. Je ne pense pas que ce soit mal d'en parler. J'espère que qu'on deviendra le nouveau résident de thé dans la ville. Et en toute honnêteté, je n'ai jamais trouvé le thé aussi bon sur cette île. Malheureusement, j'ai besoin de 5 fleurs sakura pour mes ingrédients de thé. Oh, c'est trop gentil, merci. Ça sera assez pour mon dernier bat de thé Sakura. Je pense que je vais commencer
une affaire pour mes créations. Tu as appris le box flower ici. Bref, en fait, on va faire quelques petites actions. Et plus on fera d'actions pour les gens, plus ils vont nous aimer et plus ils auront le cœur. Et nos liens vont se renforcer. Ça fait beaucoup penser à Animal Crossing. On faisait des choses avec certains habitants. Ils nous appréciaient de plus en plus. Ou alors les Sims, tout simplement, quand on force de converser ou de faire des choses pour d'autres Sims, on devient ami avec eux. Il y a plein d'habitants, par contre. Un truc de dingue. Après, je comprends pas tout parce que c'est en lait. Moi, ça. Ah oui. Il y a quelque chose dans ta chambre. On n'a pas l'impression qu'il y a tout ça dans cette maison quand on voit que l'extérieur, la façade est petite. Tu as trouvé 4 fleurs sakura. Trouve 4 et 3 pour craft un bouquet de chat. Ok. Il me manque. Non, j'ai les. Un truc de QTE. Tout. C'est rapide. Là, on pourra avoir des vêtements juste pour le cosmétique. Y a rien. Ok. Ouais, c'est mignon, franchement, c'est très mignon. Voilà, allume la télé de derrière, super forte. La musique est douce aussi. Quel est le but de notre venue? C'est de peut-être ouvrir un magasin de fleurs. Devenir fleuriste. Parce que j'ai l'impression que la maison est plus petite comme ça. Ou alors, tout se passe derrière. Et on le voit pas. Fatigué pour piquer une fleur. Ah oui, j'ai plus de cœur. Ok. Là, on va voir dormir. Ah non. Je pensais que ça serait l'indication pour nous dire, il faut aller dormir maintenant. On a fait le tour, ça y est. Ah oui, c'est court. J'ai déjà rencontré tous ces gens-là, et il en manque encore. Donc on va pouvoir rencontrer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 33, 36 personnes. Quoi marche comme ça? Ah, j'ai pas été par là. Il n'y a rien à faire. Du moins pour le moment, il n'y a rien à faire. Je vais lui ramener les 5 sakura, je crois que j'en ai assez maintenant. Ah non, je lui ai déjà donné rien. C'est elle. Non, j'ai pas encore donné. Ah oui, j'en ai que 5. Pourquoi elle marche comme ça, elle? Ah!
Je me suis blessé, c'est pour la discrétion. Pourquoi il y a la discrétion dans le jeu? Ça, c'est une bonne question. Y a-t-il une question d'infiltration? Ça m'étonnerait parce que le jeu ne s'y prête pas. Bon, voilà, on a fait le tour, je crois. Certes, il y en avait 2-3 personnes à parler. C'est là-bas. Hein? Par exemple, lui. Ok. Ah, il y a un petit tonneau. Enfin, voilà, bref, c'est ce qu'on on va se quitter là. Ça peut être un jeu intéressant, il est vrai. Faut voir sur le long terme ce qu'il peut nous proposer. Pour le moment, je trouve ça quand même intéressant. Je lui laisse sa chance. C'est en tout cas très mignon. C'est limite comme si on s'occupait d'un jardin zen. Techniquement, la musique déjà elle est reposante, relaxante. Et le reste du jeu est aussi cool. Je veux dire, ça peut être très bien un label Walgo. Faut voir s'il arrive à tirer son épingle du jeu en proposant soit une histoire sympathique, soit un gameplay qui va nous tenir en haleine, ou je ne sais quel autre point qui pourrait être allé dans ce sens. Quoi qu'il en soit, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as apprécié celle-ci. N'hésite pas à commenter et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et toi, prends soin de toi, c'est le plus important. Ciao, ciao !